Bonjour. Ouais. Ouais, je suis en retard. Ouais, ouais, c'est vraiment un gros retard. Je sais pas comment je vais me justifier. Hein, c'est. Ah oui, d'ailleurs, il n'y a plus le truc là, parce que je trouvais ça dégueulasse à force. Sans vous mentir, je trouve vraiment que avoir mis le gros fond noir là, c'était juste dégueulasse. Allez, bonsoir YouTube, c'est Chili, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la suite de Super Mario Wonder, déjà la quatrième partie sur ce jeu qu'on va bientôt terminer. C'est ça le pire, c'est que le jeu va vite. Et à la fin du live, il y aura un petit unboxing de un colis que j'ai récupéré aujourd'hui. Et Luigi qui parle déjà dans une langue incompréhensible. Alors j'ai déjà tout là. Rien que de voir, j'ai déjà envie d'être à la fin du live alors que pourtant j'adore Mario Wonder. Mais bon, tout ça c'est ce qu'on va voir à la fin. Sur Exi. Attends, je règle bientôt. Vous me direz si le son est correct, de hein, toute façon. Allez, on est tipeur. Où est-ce qu'on était? Ah oui, on venait de débloquer ce niveau. Voyage en globalon. Allez, c'est parti. Ah, let's go, j'aime bien ce power-up en vrai. Je vais aise les niveaux, non mais en même temps vous parlez à un speedrunner d'un jeu de plateforme aussi. Hein. Vous parlez maintenant au 3ème mondial. Bon écoutez, c'est le temps de me mettre dedans quoi. C'est le temps de m'y mettre. Putain mais il m'a donné juste une pièce quoi. Mais bon, rassurez-vous, je vais très vite passer troisième, hein, parce qu'honnêtement, le temps de différence entre moi et le deuxième, c'est aberrant. Bon, ok, c'est un truc où il faut de la patience. Pensez-vous que j'en ai je vous spoil, mais la réponse est non. Déjà une mort, putain, on sent le décalage YouTube. Hein. Voilà, voilà. Non, attends, j'avais pas le bon badge quoi. Voilà quoi. Maintenant que j'ai le bon badge, ça roule quoi. Salut Curio. Bon, bah t'es bien le message épinglé, hein, si jamais je répète. Ah, le truc Pelmat, ça y est. MDR. Voilà pourquoi il a YouTube, c'est nul. Ouais. Mais bon, écoutez, c'est pour ça que je fais de plus en plus sur Twitch, mais par contre, niveau statistique, objectivement, YouTube est meilleur quand tu débutes, quoi. Bon, après, je débute pas, mais... Disons, plutôt pour construire une audience, c'est meilleur. Et hop, petite graine, prodigue, c'est parti. On peut continuer. Ah oh putain, j'aurais dû fouiller au-dessus, je suis sûr il y avait un truc. Ah oh, on peut pas y retourner, sinon j'aurais fouillé. Ah voilà, c'est... Oh putain. Oh putain, j'ai raté une pièce. Eh putain, j'ai encore raté une pièce 7.
Bon, attends, j'ai quand même réussi mon arrivée au moins. Ok. En fait, il y a tout le monde qui est dans le mal en ce moment. Moi, ça va parce que j'ai récupéré mon truc, quoi. Ah, aussi ceux qui sont sur mon Discord, soyez gentils, ne spoilez pas. Parce que vous avez sûrement déjà vu passer, mais bon. Mais... Je sais pas, passer à la nouvelle version, mec. C'est aussi simple que ça. Ah merde. Ah perso, c'est le dos en ce moment qui me fait chier. C'est les problèmes que j'ai eu depuis que je suis gosse, quoi, et qui font que j'ai tout le temps mal. Et qui en plus ne peuvent pas être soignés. Vraiment, j'apprécie. Non mais je le haise en fait ce niveau. C'est juste qu'avant il y avait des pièges. Probablement hein. Non mais tu peux juste mettre à jour ton navigateur mec hein. Ou sinon prends un autre navigateur, je sais pas. Bah je sais pas, ça me paraît cohérent non. Prends Google, bah, y a tellement d'alternatives, prends Opera. En vrai Google Chrome, non, c'est un peu de la merde, Google Chrome. Je l'utilise mais je passe de plus en plus sur Opera parce que Google Chrome prend tellement de ressources. Ouais, ça prend tellement de mémoire sur ton PC, c'est aberrant. Hein. T'as deux onglets ouverts, t'es mort quoi. D'ailleurs ça me rappelle une fois il y avait je crois que c'était Instant Gaming qui avait partagé un post quand tout c'était un mec qui ouvrait tous les raccourcis de jeu sur son PC et t'as un mec dans les commentaires qui dit t'as la même chose si t'ouvres les Chrome sur PC quoi. Et ça je le remarque aussi quand j'ouvre mon gestionnaire de tâches, mais ouvrez votre gestionnaire de tâches les gars, ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez découvrir des trucs. C'est ce qui m'a fait me rendre compte que mes streams, j'utilisais mon PC comme de la merde, quoi. Non mais on pouvait rentrer dedans. Attends, je vends juste mon PC. Mais par contre, c'est aberrant. J'avais essayé 3 fois de rentrer dedans, ça avait pas marché, là ça marche direct. Attends, je dois juste redémarrer pour plus avoir le décalage de son. Thank you.
D'ailleurs les gars, je le dis, mais n'hésitez surtout pas, même si vous quittez les lives, à les laisser en arrière-plan sur votre PC ou machin, parce que j'ai besoin de faire du watch time en ce moment. Firefox a toujours eu le même nom. Ah ça par contre, on est bien d'accord. Firefox, ça s'est toujours appelé Firefox. Hein. Ça a toujours été le nom de mes gouplins d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Enfin, ça a toujours été. Ça l'est depuis quelques années. Ah non, c'était Delphox que j'appelais mes gouplins en fait. My bad, my bad. Bah comment tu laisses en arrière-plan YouTube? Bah tu laisses juste ton navigateur allumé avec mon live qui tourne quoi. Sans mettre pause. Littéralement, voilà quoi. Comme ça, moi ça me fait plus de watch time, et comme les critères de monétisation ont baissé, ça me semble accessible si je fais des bonnes vidéos. Enfin, si mes vidéos, si mes prochains jeux en boîte marchent. Maîtriser le badge. Ah, on voit quand même l'ombre. Ah, ça va si on voit l'ombre. En fait, on est juste de l'autre côté du niveau, quoi. Imagine, totalement invisible. Oh non, invisible sur les murs. Oh putain. Oh non, je l'ai pris du mauvais côté. Et pourquoi ils veulent pas aller dans l'autre sens? C'est trop duc. Ah bah voilà. En vrai de vrai, c'est chaud. Ouais, mais on le passe quand même first try après, hein. Mais on peut pas le toucher. Ah non, peut-être qu'en lui jetant un truc à la gueule, ça marche. Ah ouais. Et voilà, du premier coup. Non mais vraiment, quand je vois ce truc là... Que j'ai eu mon... Alors on fera pas vraiment un unboxing parce que comme un trou du cul j'ai déjà tiré la boîte parce qu'honnêtement j'étais trop impatient. Par contre j'ai rien testé, j'ai rien déballé. J'ai juste ouvert la boîte et déjà tiré les trucs dedans quoi. Mais en vrai c'est tellement une idée de merde de mettre ça. C'est quoi ce niveau en invisible? Bah c'est un niveau en invisible. Prochain challenge, terminer tous les niveaux du jeu en invisible. Désert cuisant SP, tendage de perche. Mais il y a déjà des gens qui l'ont fait sur d'autres Mario, hein. Ils mettaient des modes où... Ah ouais, c'est trop dur les gars. Là typiquement je sais pas où je suis. Typiquement, je ne savais pas où j'étais. Ça, par contre, ça pourrait être un vrai challenge, ça.
Oh non mais... J'ai raté la pièce, mais en même temps comment tu veux ne pas la rater? Ok. Ah mais c'est un passage de Dragon Slayer, je reconnais ça. Putain, c'est trop dur. Bonne chance MDR, bah c'est un niveau 5 étoiles et je crois que 5 étoiles c'est la plus haute difficulté du jeu. Ah d'ailleurs tout à l'heure j'avais vu Josplay qui était en train de galérer sur un niveau, je me suis dit d'accord. Bah en vrai ça devrait aller hein, c'est juste un peu d'entraînement et quand tu connais pas la route bah forcément... J'ai envie de dire tu me demandes de faire tout le tour de Belgique, bah il me faut une carte quoi. Là c'est pareil, sauf qu'on est dans Mario. Et en plus, dans le Mario le plus drogué du monde. Oh la pute. Ok c'est bon. Imagine tu meurs ici. Pas besoin de chance ici, on a juste besoin de notre skill. Et voilà. GG boys. Est-ce que vous pensez que demain on finit le 100% à votre avis? Parce que je pense en vrai que dans 1, 2, 3 lives, grand max, on termine le 100%. Et puis après on pourrait commencer des défis. J'ai pas encore quelques pièces à dé... J'en ai 618. Je vais les garder en attendant. Mais par contre, c'est très intéressant pour les ventes de panneaux. Normalement, je les ai tous faits, hein. Ouais. Et on est parti pour le prochain niveau de Baouzi. Palais du désert cuisant. Dans cuisant, il y a un peu un début de cuisine, quoi. Oh, mais stoppi ! Allez ! Non, par contre, les gars, j'en ferai un peu des live World Star bientôt. Je vais essayer d'en refaire au moins un ou deux, quoi. Et puis après, peut-être que j'en ferai quelques-uns pour le nouveau truc, là, où il faut faire plein de victoires pour gagner des récompenses en club.
Voilà, je sais que ça fait longtemps, mais bon, écoutez. Ça fait longtemps, quoi. Allez, Penmad, let's go! C'est parti pour la phase pire, Penmad. C'est beaucoup plus rapide. Tout ce qu'il ne faut pas avec moi, quoi. On joue sur émulateur vitesse 200, là. Oh, c'est plus lent. Attends, c'est chronométré, je crois. Là, ça devient... Là, ça redevient rapide. Mais je m'en fous, moi, en vrai, j'ai ça. Ça par contre j'adore l'idée. Oh, ouh, c'est compliqué. Mais j'adore en vrai. Imaginez un niveau full accéléré. Allez, récupérez Ghetto Daze. Ouais, c'est compliqué pour mettre une fessée à Bowsy. Oh non, pas sous l'eau. J'étais en train de m'amuser dans l'eau et vous êtes venu tout gâcher. Bon, ça marche comment? Bon, ça va, c'est, ça va quoi. On va encore devenir géant et... Enfin, à tour de rôle géant et petit. Ah non, il y a juste moins d'eau. Ah, j'avais pas vu ça. Par contre, j'adore l'idée. Hein. J'adore l'idée. T'en es où là actuellement? On est au troisième monde qu'on essaye de faire à 100%. Quatrième plutôt, quatrième. My bad. Ah, y'a 4 phases maintenant. Les supporters sont pas contents. Je peux même pas me réfugier au plafond alors que c'est littéralement le but de mon attaque. Hein. Oh non. Trop tard. Non mais lui il est devenu nageur pro entre temps. Voilà. Par contre il y a que 7 mondes dans le jeu. En fait je sais pas parce qu'avec le monde... Non il y a 6 mondes plus le monde spécial plus le hub central entre tous les mondes donc ça fait 8 mondes. Et la quatrième graine royale a été récupérée. Nos héros ont pu rendre l'eau volée. Où vont-ils se rendre maintenant que la quatrième est entre leurs mains? Choisiront-ils les mines machin ou machin que j'ai pas lu? On fait dans l'ordre, nous. On fait monde numéro 5. Je suis impatient de te voir faire le dernier monde, le monde spécial, je l'ai déjà fait.
Enfin, j'ai déjà fait tous les niveaux possibles. En fait, j'attends pas la fin pour faire le 100%. Je n'attends pas la fin pour faire le 100%, clairement. Est-ce qu'on parle du monde 6 ou le dernier niveau du monde spécial? Allez, va. Bah. Allez, Bowsy, il a plus que deux. Ça valait le coup de nous agiter sous cette chaleur de plomb finalement, mais on n'est pas au bout de nos peines. Dernier niveau du monde spécial, ok. Pour l'instant ça va, ça cook. Ah, je vais pas finir à 100%, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il y a sérieusement un niveau que j'ai pas vu? Il y a un niveau que j'ai pas vu. Très probablement. Où est-ce que j'aurais pu rater un niveau? Où est-ce qu'il y aura un niveau? À votre avis. Où pourrait-il bien être? Il était tout au début. Il était tout au début. Il paraît que certains tuyaux peuvent être déplacés. C'est vrai. Oh non, pas ce genre de niveau. C'est tout ce que je déteste. Je vais sérieusement devoir tester tous les tuyaux. Bon, attends, il faut que je retienne. Ça, ça mène ici. Ça a duré une heure. Non, mais comment tu veux que je me rappelle? C'est sans fin, ça ne s'arrête jamais. Il y a 50 000 sorties. Non, mais vas-y aussi. T'abuses peut-être un peu le jeu. Ah bah merde. J'allais dire c'est bon, bah non, va. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Celle-ci. Merci. Mais ça c'est pas amusant, c'est pas une... Oh putain. En plus je suis pas dans la bonne dimension quoi. Et en plus je suis pas dans la bonne dimension. Bon, en vrai là si y en a qui connaissent, je veux bien être spoil pour une fois. Je vous avoue que je me vois mal tous les tester. Ça s'arrête jamais. Attends, il y a quelque chose. Ça sert à rien. Are you serious right now, man? Yeah.
Ah, c'est vrai que ce niveau là c'est un peu chiant. Et donc tous... Oh les bâtards! Clairement un des niveaux les plus relous de ce jeu. Bon, donc du coup, on va encore devoir tester tous les tuyaux, hein. Celui-ci ? J'ai mal à la tête. Le mal de crâne. Et dis donc, c'est que c'est amusant. Attends, il y a sûrement un endroit. Oh les bâtards! Le bâtard! Absolument rien. Mais j'ai appuyé sur le bouton B, arrête! Tout ça pour faire le jeu à 100% quoi. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ce jeu quoi. Non. Quittez. Quittez. Ah quand t'appuies sur B ça fait agiter plus vite l'espèce de lapin en bas à gauche là. C'est sûr que j'ai fait tous les niveaux à 100% là. Ça veut dire qu'il y a encore un niveau de merde caché quelque part. C'était sûr. Mais c'était sûr, c'est pas de l'eau, c'est du sable. Bien sûr qu'il y a quelque chose derrière, et déjà dans Mario 3D Land, il y avait des trucs derrière la mer. It's been my time. It's been my time. Ok, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. On a les 38 graines prodigieuses de ce monde. Et on n'a pas 39. Rassurez-moi. Je vais un peu ouvrir mon gestionnaire de tâches.
Non mais calme-toi OBS. C'est quoi ce badge là? Ok, on a tout eu. Non, on n'a pas tout eu. T'es sérieux? Il m'en manque une. Oh, il m'en manque une pièce violette. Oh bah ok. Oh, je pensais qu'il y avait un truc. J'adore le concept, j'adore l'idée. J'adore l'idée, j'adore le concept. Franchement, non, c'est un kiff. Ok, c'est bon, normalement on a terminé le quatrième monde à 100%, c'est bon. Ça, normalement, c'est fait. Ouais, on a terminé. Bon, par contre, on pourra bientôt aller dépenser nos petites pièces violettes là. Allez, caverne crocodile. On dirait des ennemis de Mario Luigi voyage au centre de Bowser, faut rater. Évite de te faire mordre, comment ça? De me faire mordre où? Concrètement, dans les niveaux, ça apporte quoi, ça? Ah, c'est juste un moyen de former de l'argent? C'est pas ouf. D'où il m'a pas retombé en dessous, quoi. Thank you.
It's Belma time! Ah, ok! Où est la grande pièce? Je pensais que la grande pièce serait là. Alors comment dire que j'ai raté complètement le niveau puisqu'il me manque encore une pièce. Du coup, on pourra skip la phase Pelmade. Ouais, ça va. Si on peut skip la phase Pierre Pelmade, on y va. Hein. Ah non, je les avais eus. I got the Pelmade. I got the violet coins. Buffet salabafre. MD. Heureusement que je suis pas un goombe. Ce mec, c'est moi dans un buffet en fait. Ah, je l'ai eu, ok. Attends, y'a pas moyen de farmer. Je suis sûr, il y aurait moyen de farmer les points de vie. It's Pelma time! Mais non! Non. Il va juste me bouffer là. Vite ! Non ! Oui, il est fatigué. Ok. MDR, on a failli mourir. C'est trop dur, putain.
Bonjour, je suis inspecteur. Le pire, c'est que je me connais, quoi. C'est le genre de niveau où je vais vouloir speedrun pour rattraper le temps perdu. Ce niveau est trop fun. Un peu là encore. Mais c'est pas moi qui voulais bouffer. C'était des trucs des arbres, je suis débile. Salut, tu veux essayer de me bouffer? I am alive! Oui! Ok, par contre, on ira au tuyau après. I am a little too strong for this game. Bon allez, on continue, on y va. Bim. Non, en vrai c'était marrant, j'aime bien. J'aime bien ce genre de niveau. Ouais, ouais, ouais. On va dans quel monde là? Les mines fongiques. C'est parti. Ça y est, c'est la marche de l'empereur. Au moins on devra pas fouiller les niveaux en se baladant dans le sable quoi. Voilà aux mines fongiques. Je sais qu'il y a une graine royale par ici. Je ne me souviens plus trop de son emplacement, la carte ne m'aide pas beaucoup. Trouvons... Tâchons de trouver un pôle plein pour nous aider. Ma love là. Quand même pratique d'avoir une office du tourisme à l'entrée de chaque village quoi. Oui bon, y a pas de pôle pain mais y a juste des notes quoi. Tu veux que je reste un peu avec toi? Bah moi j'ai pas envie. Étonnamment. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est ma graine prodigue, je la reconnais. Vous avez lu ma note et êtes venu m'aider, dites-moi que c'est ça. Que je vous explique, mes amis sont partis dans les mines mais ils n'en sont pas revenus. Ils voulaient creuser plus loin que d'habitude dans le but de trouver une graine royale pour vous, Altesse. Malheureusement, plus on s'enfonce et plus les mines sont dangereuses, je me fais ascendant comme pour eux. S'il arrive quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai pas. Allons à leur secours. Oui, bon allez, tiens, lève-la tes pièces pour réparer ton pont. Il m'a filé quel badge?
Badge détecteur. On verra ce que c'est, hein. Vous êtes prêts à l'en secourir, mes amis? Oh putain, si tu marches à cette vitesse, on est... pour moi, où il y a eu des bugs de texture, là? Ok, premier niveau des mines, étirement mycénien. Je suis sûr que si on arrive à la tuer, il se passe un truc trop bien. Non, à mon avis, il doit rien se passer. Ma time. Oh non, je suis sûr qu'il y avait un truc trop bien au-dessus et maintenant c'est mort. Non, je suis sûr qu'il y avait un truc et que du coup je l'ai raté. Ok, alors déjà il y a un truc là-haut. Devoir tout se retaper. Ça fait un peu mal au cul de devoir tout se retaper, effectivement. Let's go. Oh mais il fallait pas. Ah bah oui, de toute façon j'avais ça.
Je sais même pas pourquoi je m'inquiétais en vrai, j'ai un des meilleurs badges à ce niveau du jeu. Enfin, un des meilleurs badges tout court pour les niveaux qu'on connaît pas. Ok, il y a le Pelma Time. It's Pelma Time. Oh, c'est Halloween! On va peut-être aller un peu dépenser pour les panneaux là. Parce qu'en vrai on a 911 pièces et à 999 on peut plus en récupérer. Donc on va plutôt aller directement tout claquer. Non par contre c'est aberrant comment ce jeu est une masterclass. C'est aberrant comment ce jeu est une masterclass, moi je le dis. Y'a pas à être une masterclass comme ça. On va aller acheter des pannes. Ok, on a dépassé la moitié en tout cas. Il nous restera encore quel perso après cela ? Ah ouais, il nous en reste beaucoup, il nous en reste... Putain, il nous reste encore 8 persos après ça. Bon après, il y en a qui sont déjà entamés quoi, mais ça va être chaud quand même. Ça. Ah mais là la con qui ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah là une pièce qui me fait me casser la gueule. Cette façon de battre des ennemis, il n'y a vraiment que dans le jeu qu'on a ça. Mais c'est bien, c'est bien. Autant Mario Bros U, je l'avais trouvé sympa, mais c'est vrai qu'à un moment je le trouve un peu redondant, autant celui-là, c'est une masterclass. De A à Z, de Z à A.
Ah, j'ai bien fait de revenir. Non, on a raté ce tuyau. Et quelle heure là? Ok, dans 35 minutes, je vous montrerai le colis masterclass en question, quoi. Et le pire, c'est que ben, je l'avais dit dans l'onglet communauté, ce que vous voulez faire en vidéo ou en short, de toute façon, je ferai les deux. Je ferai l'unboxing en live et puis je ferai des extraits pour short YouTube et vidéo et replay en vidéo, quoi. Allez, triple de watts, allez, triple de vues, let's go hein. Bon, au moins, ceux qui étaient pas sur live, ça pose pas de problème. Au moins, ils l'auront vu quand même. It's money time! C'est le jour de la paye! Oh, ta race! Non, mais qui a dit que le jeu était difficile? Non mais j'ai... Voilà. Qui a dit que le jeu était dur? Non mais en même temps, je suis speedrunner sur un jeu de plateforme, les gars. C'est bon, quoi. Ne pensez pas que c'est Super Mario Wonder qui va m'arrêter. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Attends, j'ai raté une graine? Mais non! Alors, soit il y a un truc Pierre Pelmat que j'ai pas réussi à choper, soit je suis une énorme merde. Alors, je parie que... Alors, j'ai pas fait de niveau, mais je parie qu'à un moment, il y a un tuyau dans cette espèce de lave. Ou alors... est-ce qu'il serait pas sur un de ces tuyaux-là? Ok, non, j'ai pas l'impression que c'est par là. Putain, je vais devoir racler le sol pour pouvoir trouver la sortie. Are you fucking kidding me, man? Voilà, il se passe quoi là? C'est l'heure du quiz. Ah.
Bon, ça va, c'est des questions simples, quoi. Dernière question, Ouais, je me disais bien le mont. C'était le... Ouais, le truc avec... qui s'appelait or ou je sais plus quoi. Ouais, bon, peu importe, on s'en fout, on sprint. Et je me suis gouré. Même sans le vouloir, je prends la sortie qui permet d'avoir l'item secret. Enfin, la pièce violette, quoi. D'ailleurs, on a plus de vie supplémentaire quand on atteint le haut du drapeau. C'est quoi cette fraude, là? En temps, tu me diras, j'aurais déjà 3000 vies. Par contre, est-ce que je m'avance en disant que ce jeu est probablement... le meilleur Mario 2D. Ah bon, faut le dire. En termes de nostalgie, non, parce qu'il est sorti cette année, forcément, mais... Enfin, il est sorti il y a littéralement une semaine, mais... Mais franchement, objectivement, meilleur Mario 3D. 2D. Entité antithétique. Essayez de dire ça plusieurs fois, vous allez voir que je suis... Je prononce, c'est chiant. Oula! Et en plus, ça tue. Ça pour un bête one up. On va essayer de monter directement avec ça. J'ai pas trop envie. J'ai un monde à sauver et des pièces à collecter. Oula, par contre, checkpoint alors qu'on a les trois pièces, il y a un truc pelmade à un moment. It's pelma time. Ah bah déjà. Already pelma time!
Oh le bâtard. Mime. That was the perma time. J'espère juste que j'ai pas pris une mauvaise sortie. Ok, qu'est-ce que je suis supposé faire? Voilà, c'est bon. Impossible de monter jusqu'au-dessus. Tout ça alors que les wall jump existent. Putain, au niveau des prix, c'était tendu. Hein. Intermède rotation perpétuelle. C'est ce genre de niveau qui donne mal à la tête. Ah non, c'est... je pensais que c'était en continu. Pas du tout. Ah si, en fait, c'est juste qu'ils font des pauses. En fait, c'est des syndicalistes. Manoir dans le noir. Faites pas tomber le savon, hein. J'entends un bruit sus. Oh.
Et je tourne, tourne, tourne. J'ai raté un truc là. J'ai raté un truc. Il n'y a pas eu la phase Pierre Pelmade. La phase Pelmade doit être là, va. Putain, c'est magistral. Un petit peu, mais je m'en remettrai. Je peux déjà faire un peu de place sur mon bureau pour l'ouverture. J'aimerais avoir assez avec ça. Exploration aux ruines 1 Génatine. Lâchez un objet tout en le regardant vers le haut pour taper dedans à la verticale. C'est pas comme si ça existait depuis Mario World, quoi. On peut... Mais non ! On peut marcher tout droit et vers le bas. J'adore l'idée. Ça par contre, en speedrun, ça doit être le genre de niveau bien relou, là. Ah, ça c'est de la gelée, ça? Elle est un peu passée de date, je crois. Oh non, putain, les pièces qui tombent. Et elle se reconstitue même pas après. Où est partie la bulle? Ne me dis pas que la bulle est partie. Tue-moi.
Tue-moi, va. Tue-moi, c'est bon. J'ai raté la bulle, laisse tomber. Ah oui, aussi, si je clique pas sur recommencer le niveau, c'est parce que, tout simplement, quand on clique sur recommencer le niveau, on perd toutes les pièces violettes qu'on a récoltées pendant cet essai, quoi. Voilà, j'explique. On sait jamais. Je peux pas y aller! Trou de balle, va! C'est bon, tue-moi, va! C'est gang. Littéralement, je pouvais pas le taper! C'est de la merde! Allez! Mais c'était même pas pour le truc Pelmade! C'était juste pour un boost à la con! Mais ici, j'ai besoin de toi! Oh mais non, putain. Je suis sûr que si j'avais le truc de mineur, je pourrais aller plus loin. Je suis sûr qu'il y aurait une sortie alternative, je suis sûr et certain. Ouais, 100% il y a une autre sortie.
de n'avoir eu ni Pierre Pelmade, ni... Oui, bon, allez, donne-moi un one-up. Ok, il nous faut vraiment le truc d'exploration, quoi. Sauf que je sais même pas si le niveau te le donne par défaut. Mais on a pas eu Pierre Pelmade, quoi, c'est terrible. Mais en même temps, on nous le donne pas. Moi, j'ai plus rien si le jeu nous... Pourquoi j'ai l'impression d'avoir des démangeaisons? Mais t'es obligé d'avoir le casque, mais le jeu ne te le donne pas. C'est un peu con, quelle idée de merde. Et putain. Mais ça te donne pas le bon item. MDR. Là, je suis vraiment sous extasie. Hein. Druximal, vous voyez. Ah, c'est beaucoup plus rapide comme ça, c'est parfait. T'as quel goût, mais MDR. Ok, donc sans le passage Pelmade, on peut pas avoir les deux graines du niveau, tranquille. Hein. La pluie s'est arrêtée. Imagine, il y a un truc là. Voilà. Comme ça, on aura fait les deux sorties. C'est bien, ça nous force un peu à réexplorer les niveaux, mais par contre, j'étais vraiment passé juste à côté. Hein. Liane de grappin, et à mon avis, je m'arrêterai peut-être sur ce niveau pour ensuite vous montrer un peu les trucs que j'ai récupérés. Alors, liane grappin dans les airs, appuyez sur R ou secouez la manette pour lancer une liane qui s'accroche aux parois. Ça, en speedrun, ça doit être incroyable. Voilà, ça c'est le genre de gameplay que j'aime bien, ça. Je dégaine mon grappin, ça y est.
Ok. Non, ça c'est vraiment un genre de gameplay que j'adore, quoi. Oh, et en plus on peut s'agripper au drapeau. Bon, on va encore faire un niveau en fait. Du coup, celui-là on l'a enchaîné. Celui-là je lui ai mis un combo coup de tête, balayette, manchette. Il a rien compris. On a réussi le badge. Oh oui, oh oui. On le prend pour les niveaux. Exploration de ruines d'Odeline. Et ensuite on fera un petit unboxing. Petit one-up. Par contre, le combo liane plus... Ah non, j'ai un seul. Je pensais que j'avais le combo liane plus sauter plus haut. Non, ce serait un peu trop cheaté. Merde, raté. Ça aussi, c'est typiquement le genre de gameplay que j'aime bien, tu vois. Bon, on va essayer de ne rien rater. Je suis sûr, il y a un truc, attends. Attends, deux secondes, attends, deux secondes. C'était sûr. C'est ça que je voulais vérifier. It's been a time. Pas du tout. It's a Palma time. Ok, donc il nous manque juste la phase Palma et on réussit ce niveau. Oula. Non, s'il te plaît, j'ai pas envie de crever. Palma time. Oh non, putain. Ok, j'ai compris. J'espère juste qu'il a respawn. Il a respawn, ok, c'est bon. Ça va, si. Oh, quel enfer. Ok, alors comment vous dire que ça va être dur? Je sais pas. Yeah.
Oh non, putain, ça va pas marcher, hein. J'aurais pas dû activer cette plateforme, j'aurais dû terminer avec l'autre à la place. Parce que là, va juste... Voilà, il y a le drapeau. Et on n'a pas fait le Pelmat Time. Oh, j'ai réussi! Allez, Pelmat Time! Ok, j'apprécie l'idée, j'aime bien. J'ai pas regardé, je suis mort comme un débile. J'étais en train de regarder le chat pendant 2 secondes, ça m'a niqué le truc. Viens ici, toi! Ok, c'est bon. GG, belle mort. Ah, le bâtard! Non, mais premier degré, par contre, je regardais pas, premier degré. C'est le mec qui te dit GG parce que t'es mort. Ok, on rattrape ça et on termine. Oh mais je me fais encore avoir de la même manière quoi. Imagine un mec te dit GG parce que t'es mort IRL. GG mec, t'es mort. Et franchement, belle mort, hein. T'es mort d'un cancer à précoce là. Oh non, tu commences pas par contre. Merci. Et voilà. Bon. On va sauvegarder et on va switcher sur petit unboxing. Oh, par contre là, restez parce que c'est magnifique ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Bon, je m'arrête là pour My Wonder. Ok. On va se mettre une petite musique. Mais on passe à l'unboxing. Attends. Je vais mettre une petite musique sympa. Bon ben, on va pouvoir passer à l'unboxing, j'éteins la Switch. Voilà, bon je suis en direct pour faire ça, mais de toute manière, je vous le dis direct, il y a 100% de chances que ça finisse sur la chaîne YouTube principale. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'achat le plus récent que j'ai fait en termes de jeu rétro. J'ai tout là. Bon, j'ai tout déballé parce que je suis un très mauvais youtubeur, donc du coup je ne tire pas du carton, mais tout est encore dans les sachets originaux.
C'est un peu une vidéo qui fait suite, enfin, du moins, j'avais bien aimé à l'époque, plutôt pour expliquer dans ce sens-là, j'avais bien aimé à l'époque, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je vous parlais de ma Nintendo 64 que je venais d'acheter. Et c'est vrai que c'est une vidéo que j'avais plutôt bien aimé faire, c'est une vidéo tranquille, en plus là je suis en direct, c'est magnifique. Alors, j'en ai fait des achats depuis, hein. J'ai par exemple acheté l'Atari 2600, hein, qui est juste à côté de moi. Ouais, que j'avais eu pour... Attends, par contre, la Switch est allumée. Ouais, l'Atari 2600, 7800 que j'avais eu pour 35€ avec Desert Falcon, de manette, mais c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Même si en vrai, peut-être faire une vidéo sur mes meilleures affaires en brocante, ça pourrait être sympa, mais c'est pas au programme aujourd'hui. Bon, je vais attraper tout le matos pour aujourd'hui. D'ailleurs, ma M64, celle que je vous avais montrée à l'époque, hein, qui est toujours là, hein, regardez, elle est toujours là, elle marche toujours nickel, je m'en suis servi pour stream Superman 64. Entre temps, j'ai rajouté un petit expansion pack, hein, donc voilà, au moins on pourra jouer à tous les jeux français, et je pourrais la dézoner, mais j'ai pas trop envie de dézoner ma console. Dis-moi, ça se referme comment? Dans l'autre sens, ouais. Entre temps, j'ai acheté plein de Nintendo 64, je suis devenu même revendeur. Parce que j'ai acheté plein de jeux en lot, là je vois, j'ai 24 jeux Nintendo 64, j'en ai joué qu'un seul, c'est Superman, j'ai vraiment une vie à la con. Oui, on peut dire ça quoi, mais vraiment cette Nintendo 64, ça m'intéresse beaucoup, parce que pour la collection, quand je dis que j'en ai acheté 7, je déconne pas. Vous allez voir ce que j'ai récupéré aujourd'hui, c'est magnifique, parce que j'ai récupéré 6 N64 comme celle-ci. Et j'en ai revendu 5. D'ailleurs, j'en ai encore une à vendre en ce moment. Donc celle-là, bah, elle va plutôt aller ici. Alors, je vous montre ce que j'ai récupéré. Alors, on commence... petite manette verte transparente. Alors ça, j'espère juste qu'elle va marcher parce que je trouve que c'est un coloris très beau pour remplacer la manette grise originale qui est pas incroyable du cul. Voilà. Ah, elle est belle. Ah, en vrai, en vert, j'adore beaucoup les manettes transparentes. J'ai aussi la purple. Où est-ce qu'elle est ? Je la vois. J'avais déjà récupéré la petite purple là, enfin je sais pas comment elle s'appelle, c'est clear, est-ce que c'est purple, mauve, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'avais récupéré celle-là et je trouve que c'est un très beau coloris, mais du coup c'est pas celle-là que j'ai récupéré, c'est la verte, parce que le joystick ça va, le joystick a l'air d'aller, il a pas énormément de résistance, mais en vrai il a l'air d'aller, ça... Oh, ok, ça a l'air d'être du bon, ça peut-être que je vais la garder, mais de toute façon faut tester en jeu quoi, parce que des fois j'ai déjà eu des joysticks où quand tu tournais ça allait nickel, mais en jeu c'était dégueulasse. Donc ça je verrai bien, parce que j'ai pas besoin de 40 manettes, mais si je peux avoir 4 coloris différents, c'est très bien. Donc ça c'est toujours bien, une petite manette. Maintenant les jeux, il y en a 7. Et il y a une cartouche que j'essaye de ne faire exprès de pas vous montrer, parce que elle a une couleur différente, et... je crois qu'il y a que 2-3 cartouches sur N64 qui ont le coloris de celle-là d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui avaient d'autres couleurs que la grise normale. Alors, dans le lot, il y a 4 jeux que j'ai déjà et 3 que j'ai pas encore, mais de toute manière, le but c'est de rentabiliser. Je vous dirai le prix total après. Hein. Alors, une copie de GoldenEye, ou par contre, la... Ouais, ça a pris un peu le tarif au-dessus, hein. Ouais, c'est vrai que l'étiquette a un peu pris cher, mais par contre, il vaut toujours... bah, je le vendrai quelques euros moins cher, hein. De toute façon, si le jeu fonctionne en soi, l'étiquette, il y en a que ça dérangerait pas. À condition de mettre moins cher. Ensuite, encore un jeu que j'ai, Mario Kart 64. Ça, c'est déjà la quatrième copie, je crois, que je récupère du jeu. Il vient dans tellement de lots Nintendo 64 que j'achète. L'eau que j'ai acheté sur Vinted, hein, aussi, s'il y en a que ça peut intéresser. Donc ça c'est toujours 28€, hein. 27, allez 27.
deux copies de Pokémon Stadium. Je sais pas pourquoi le mec avait deux fois Pokémon Stadium. Je l'ai déjà de toute façon, donc les deux vont repartir. Les Jack. Alors celle-là, il y a un peu de blanc sur. Il y a un peu de blanc dessus, ça se voit pas trop à la cam, mais celle-là, c'est nickel. Les arrières ont pas trop pris cher. Hein, D'ailleurs, pour Mario Kart, c'est GoldenEye. GoldenEye, ouais, c'est un peu la cartouche camorflée, quoi. C'est pas, enfin, c'est pas énorme, on a déjà vu bien pire. Hein. Et ensuite, dans les trois jeux que j'ai pas, alors il y en a deux un peu aux F. Je les garde parce que je les ai pas dans ma collecte, mais... NBA Jam 99, c'est du... Donc le basket. Je sais pas, ça pourrait être bien, bref, à tester deux minutes. Et Wave Race, ça par contre, je sais qu'il s'est bien vendu Wave Race, un jeu très commun de la N64, et bon, je pourrais le tester. En vrai, si c'est un... Ah mais attends, si c'est un jeu de course, je pourrais peut-être le tester dans les jeux de course de la N64, ça pourrait faire un petit jeu en plus. Et ça par contre, c'est la meilleure prise de tout le lot. Ok. Enfin, la meilleure prise en termes de jeu, parce que... C'est les jeux, c'est encore gentil. Rien que tenir cette cartouche, c'est magnifique. Elle a pas le coloris classique, elle a pas le coloris... gris. Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 2, cartouche en or. Bon, pas à l'arrière, juste à l'avant. Je crois qu'il y avait comme Zelda Majora's Mask et Pokémon Stadium 2 qui avait ce coloris. S'il y en a qui s'y connaissent, hein, n'hésitez pas à m'instruire parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas tout à propos de, du rétro. Ça fait plaisir parce que le jeu il vaut déjà 70 boules en occasion, c'est déjà énorme. Enfin tu peux le trouver pour peut-être... allez. Tu peux pas l'avoir en dessous de moins de... Tu peux pas l'avoir à moins de 65 si tu le chopes seul quoi. Donc Pokémon Stadium 2 je suis très content. Du coup il faudra que je refasse Pokémon Or et Argent parce que ma sauvegarde de Pokémon Or ne marche plus. Enfin elle s'est supprimée à un moment et Argent... j'y a plus de la pile dedans et j'ai un peu la flemme de remplacer pour le moment tant que j'en ai pas besoin. Et Crystal, pareil, ça ne marche plus. J'ai eu toujours le transfert pack qui était venu avec la première fois que j'avais acheté Stadium. Mais du coup, Stadium 2, petite cartouche dorée. Ça fait plaisir. Mais... Le plus beau arrive. Je vais juste mettre un peu les trucs de côté. Bon, là par contre, c'est une masterclass. Ah, je vous le dis direct, au moins. Le lot m'a coûté, avec frais de livraison, frais de protection, toutes mes couilles, 215€. Donc, déjà, là, les jeux, c'est déjà pas mal la prise parce que je crois que. Enfin, on va faire le compte. Stadium 2, il a 65. Wave Race, tu peux le trouver pour 5-8 balles. On va dire. Allez, on va dire 7€. Donc là, on est à 72. Ça, c'est 8€. On va dire 80€. Je prends les prix moyens, je me fais pas chier. Je crois que Stadium il est à 16€, on arrive à 96, comme il y est deux fois 112. 112, Mario Kart 26. Donc on arrive à 138. Et GoldenEye, bon comme la jaquette est un peu morflée. 138, on va dire plus 18, 156. Et la manette verte. Si elle marche bien, c'est 25. J'avais dit combien ? J'avais dit 158 plus 25, on arrive à 183. Dites-moi si j'ai une connerie, hein, parce que on est un peu tard dans le soir et je suis un peu très content du lot que j'ai reçu, donc je réfléchis un peu moins bien. L'euphorie. Mais ouais, je pense qu'on arrive à 183 balles sur les 215. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, je l'ai là et elle me rend heureux rien que de l'avoir, quoi. Ça, c'est vraiment de la collection pure et dure, mais sachez que le truc que j'ai dans mes mains, ça rentabilise, je vais pas dire à lui tout seul, mais ça rentabilise entre 80 et 90% du prix final. Il y a même deux trucs de plastique. Je vais les jarter là. Ça c'est énorme ce que j'ai dans les mains.
J'en reviens pas d'avoir ça dans mes mains. Je ne pensais pas l'avoir un jour, honnêtement. Ah putain, c'est flouté avec la cam. Mais la Nintendo 64 édition Pikachu. Avec la petite Pokéball, la patte de Pikachu pour... Non, ça c'est énorme. Ça, les gars, c'est 180€ facile en ligne. Donc ça rentabilise environ 80% du prix final. C'est énorme ce que j'ai là. Je sais pas s'il y avait les inscriptions en français sur d'autres. Là, c'est écrit... Enfin, ça se voit pas très bien. Je vais essayer de montrer à la cam. Ouais, press here to reset. Là, y'a rien. Pikachu, Nintendo. Je sais pas s'il y avait moyen de trouver les inscriptions en français, mais de toute manière, tant qu'elle est pâle, j'en ai rien à foutre. Pâle, bien évidemment, c'est pour les jeux européens. Je suis très content de récupérer ça. Bon, bien évidemment, il faut que. D'ailleurs, surprise du chef. Est-ce qu'il y a une surprise du chef? Est-ce qu'il y a un expansion pack qui, en théorie, est nécessaire pour jouer à Pokémon Stadium? Du moins, je crois que Stadium 2, t'es obligé d'avoir Expansion Pack. Allez, s'il y a un truc rouge... Ah, merde. Bon, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Parce que l'Expansion Pack, en gros, c'est 50 boules. Et ça permet de jouer, justement, à Pokémon Stadium 2, qui ne marche pas sans Expansion Pack. Ça me surprend donc assez fort que le mec n'en ait pas mis dedans. Peut-être qu'il avait plusieurs N64 et qu'il en avait déjà revendu ou je ne sais pas. Peut-être que Stadium 2, il n'y a pas besoin d'expansion pack en fait. Mais de toute façon, je l'ai déjà sur mon autre Nintendo 64. Donc j'aurais juste à les switch et c'est bon, ça se switch hyper facilement. Bah, de toute manière, c'est obligatoire. Toutes les consoles venaient avec Jumper Pack. Et l'expansion pack était en remplacement. Normalement, il y a un petit outil, mais si tu passes à l'arrière avec un tournevis, ça vient hyper facilement et ça ne l'abîme pas. Enfin, abîmé peut-être. Peut-être, mais de toute manière, tu le fais pas 40 fois dans ta vie hein, de mettre un expansion pack dedans, tu le fais une ou deux fois. Je sais pas si elle marche, je l'ai pas essayé, on va espérer. Le mec m'avait dit que oui. Bien évidemment, hein, tous les câbles. J'aurais juste besoin du câble d'alimentation parce qu'en soi, le câble, les câbles AC, bah, j'ai mon adaptateur HDMI pour les streams N64. On va essayer tout ça maintenant, mais c'est énorme. D'avoir une N64 édition Pikachu, c'est énorme. Vraiment, ça prouve vraiment que je suis un fan, quoi. Ok. De toute manière, il n'y aurait pas eu les câbles avec, j'en avais rien à foutre, j'ai déjà tout ce qu'il faut chez moi, quoi. Dans N64, j'ai encore 3 câbles, j'ai encore 3 trucs d'alimentation, là. Donc je me mets bien. Bon, les câbles AC, bah, je vais les mettre ailleurs, j'en ai pas besoin. Non, vraiment, de la voir devant moi, c'est une masterclass. Elle serait en bois, ce serait encore plus beau, mais... je pense vraiment que en boîte elle doit aller à 450 boules. Si en boîte elle vaut pas 400€, je comprends pas. Alors voilà. Câble HDMI. Bon attendez, je la branche. Je peux la brancher là. Ok. Et je crois qu'on. Non, il faut encore brancher le câble d'alimentation pour l'adaptateur. Là. Ok. Je vais prendre directement le meilleur, hein. Je vais prendre directement Pokémon Stadium 2, on va voir s'il marche sans Expansion Pack en plus. Ah déjà les reflets bleus, là c'est l'adaptateur. Oh putain c'est... Rien que de faire ce que je suis en train de faire là les gars, c'est énorme quoi. Je suis en train de mettre une copie de Pokémon Stadium 2 dans une Nintendo 64 édition Pikachu, ça rentre parfaitement donc... Enfin... Attends, je vais juste faire le test pour voir si la console est bien pâle. Je vais prendre un de mes jeux à moi. Le premier que j'avais à disposition, hein. Cette grosse merde, là.
Je rentre parfaitement, donc on est bien sur une console européenne. Ah. Parce qu'en gros, il y avait une sécurité sur N64 qui fait que les jeux américains ne rentraient pas. Et japonais aussi, c'est... la console est zonée, même si on doit la dézoner très facilement en coupant des trucs à l'intérieur, mais je vais pas me faire chier avec ça. Ok. On branche la manette. Il n'y a pas la manette Pikachu avec, malheureusement, mais en vrai, c'est qu'un détail. J'ai déjà la console, quoi. Enfin, j'ai déjà ce truc-là. Ça, là. Vous l'avez, vous? Non, vous l'avez pas. Peut-être. Peut-être que certains l'ont. On va juste passer sur l'overlay. Alors, prenez en compte que c'est overlay random numéro 69 et 64 aussi, puisque la console s'appelle la N64, c'est nickel. J'ai juste repris mon overlay actuel, quoi. Et je ne compte pas faire Banjo-Kazooie tout de suite, c'est juste que je voulais un overlay autre que Superman. Pika ! Oh, les joues qui clignotent ! Il y a les joues qui clignotent sur la console ! Je savais même pas ! Regardez ! Oh, c'est trop bien. Oh, je kiffe. Par contre, pourquoi il y a... Ah merde, c'est vrai, j'avais pas mis en son de fond, désolé, j'avais pas préparé ça. Mais je disais en gros que, la co- que sur la console... que la console, y avait les joues de Pikachu qui s'allument, quoi. Mais vous l'avez vu, de toute façon. Et me voilà avec la Nintendo 64 édition Pika Pika. Ah, je suis trop au bordel. Par contre, à mon avis, ouais, il faut bien expansion pack parce que... Après, on m'a dit que les graphismes étaient pas ouf. Il faut transférer... ouais, il faut transférer le transfert pack à une manette, mais déjà, ça veut dire que ça marche. Je vais essayer vite fait les autres jeux pour voir si tout marche bien, mais... Stadium 2 marche, donc c'est déjà insane. NBA Jam... Démarre pas. Des fois, il suffit juste de faire un truc tout con, faut passer un coup de coton-tige, mais quand t'en as pas avec toi et que t'es en live... Pour les vieux... Ça marche, littéralement, hein. Ok, NBA Jam 99 marche. Je trigger tous les Français qui disent 99. Qu'est-ce que ça dit pour Wave Race? Ça démarre, et normalement... Wave Race. On avait compris, t'inquiète. GoldenEye. Je viens de déterrer les punaises de lit, là, ça y est. Mais vraiment, de voir que cette méthode marche toujours aussi bien, ça me flingue. Par contre, cette OST est magistrale. Hein. Je testerai plutôt le joystick après avec mon Mario 64. C'est toujours avec Mario 64 que j'essaye les manettes, tout simplement, parce que c'est hyper pratique. Ah, Mario Kart 64 ! Welcome to Mario Kart ! En soi, je pourrais aussi essayer avec Mario Kart 64, mais comme il n'y a pas moyen d'aller en arrière... Ok, Pokémon... La première copie de Stadium, j'ai envie de dire. Ça marche aussi, ouais. Par contre, pourquoi les jeux N64 ont des résolutions différentes? Ça me flingue. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi il y avait deux Stadiums. À mon avis, il en a sûrement volé, hein, le mec, mais c'est pas grave. Ah, ça, c'est une copie... C'est un jeu terminé, ça? Est-ce que le mec aurait pas terminé parce que le fond est différent? De toute façon, Stadium, faut toujours que j'y joue, j'ai jamais joué. Et du coup, me voilà avec trois copies de Stadium, mais je vais en vendre deux de toute façon. Ça, vous inquiétez pas. La dernière chose qui me reste à faire, mais c'est de tester si la manette marche nickel. Donc, je vais juste attraper mon Mario 64 qui est juste derrière moi. Voilà.
It's me, Mario. Hello. L'écran est quand même bien blond, hein. No racism, but... Par contre, pourquoi les jeux sont un peu plus clairs? J'ai mis des filtres en trop ou... Non, je suis comme malade. Ouais, il faudra que j'y regarde un peu, mais ouais. Ok, tous les boutons marchent. Gauche. Ok, tout marche nickel. Ok. C'est réactif, c'est bien. Par contre, ouais, c'est vrai que la console, je sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air un peu plus lumineux. C'est même pas les filtres sur le machin, hein, c'est vraiment juste pas drôle. Ouais, je pense pas qu'il y ait moyen de modifier ça. Bon allez, la manette marche nickel. Là-dessus, rien à redire. Donc je vais sûrement la garder et vendre une de mes... Original grise dégueulasse. Toi, je te range. Ah. Donc, magnifique trouvaille. J'ai envie de dire magnifique trouvaille. Pépépépé. Non mais... Il y a un détail qui est en train de me titiller. Attends. Il y a un détail qui me fait bizarre. Ah mais oui! What the f... Attends. Regarde un peu ça. On est bien d'accord que les proportions sont différentes. Ah mais oui, c'est vrai, c'est parce que forcément, du côté gauche, bah, la console est un peu plus grande parce qu'il y a le Pikachu, quoi. Alors, je vais essayer de vous les mettre une sur l'autre, comme ça vous allez. Alors, je sais pas si ça se voit très bien, mais ouais, la N64 Pikachu est plus grosse parce que bah, il y a le Pikachu sur la droite qui prend beaucoup de place avec son gros cul. Bon après, comme je l'ai dit, cette console c'est une excellente affaire, un embonpoint douté, surtout avec les jeux qui venaient. Principalement, bon, on va pas se mentir, les pièces maîtresses c'est clairement la console et le Pokémon Stadium 2, je rappelle, pour un total de 215€, frais de livraison compris. Le vendeur qui a bien accepté de baisser de 300 à 200. Donc magnifique, j'ai envie de dire. Bon, allez, moi, pour tous ceux qui ont regardé les rip... Bon, allez, moi, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, merci de l'avoir regardé. C'était très sympa de faire ça en direct, ça change un peu de d'habitude. Donc, du coup, c'était totalement de l'impro, hein, ce que je viens de faire. Aucun script, aucune note. Rien. Très content de cette affaire. La console rentre avec très grand plaisir dans la collection, sans aucune difficulté. Merci d'avoir regardé ces déchirés, portez-vous bien, salut! Donc ça c'était pour YouTube et enfin pour la vidéo et là pour le live, bah, écoutez les gars, moi aussi je vais cut maintenant, hein, je n'ai plus rien à faire. On a stream du Wario Wonder, je vous ai montré cette belle petite pièce là. Oh putain, je suis trop content. Elle est magnifique. Elle est magnifique et surtout dans un état mais... Ah, y a pas l'ouverture à l'arrière, regardez. Y'a pas la petite ouverture là comme il y avait
Par contre, j'ai un peu le seum qu'il n'y ait pas d'expansion pack. J'ai un peu le seum, honnêtement. J'aurais espéré qu'il y avait un expansion pack. Mais en vrai, ça change rien. Je l'ai déjà, l'expansion pack, donc ça ne me change aucunement quelque chose. Bon allez, merci à tous d'avoir regardé ce live Mario Wonder qui a terminé en petit unboxing sympathique. Hein. Écoutez, ma foi, c'était fort sympathique ce soir. Hein. On se retrouvera peut-être demain en live, je sais pas. Demain, j'ai tout l'après-midi pour taffer, donc honnêtement, ça m'étonnerait pas que le soir, je fasse un autre live Mario Wonder, parce que j'ai envie de terminer ce jeu, tout simplement. Mario Wonder est une masterclass, donc forcément, j'ai envie d'y jouer tant que je peux. Bonne soirée. Non, mais... Je vais le redire une millième fois, mais... Ça, bordel de merde, ça! Et surtout à un prix correct! Parce que ça, j'ai été voir, console sol, c'est 165 boules minimum. L'annonce la plus basse que j'ai pu trouver, c'est 165 euros. Là, avec tout ce qu'elle venait, pour 220, c'est énorme. Déjà, je pense que je vais pouvoir revendre pour 100 balles. Facilement, tout en gardant celle-là, en plus. Je vais quand même garder celle-là. Parce que tout simplement, voilà, autant avoir les deux. Hein. Il y en a une qui va dans la collecte. Je sais pas, est-ce que celle-là va dans la collection ou est-ce que... Enfin, est-ce que celle-là va sous mon bureau pour être utilisée et jouée ou est-ce que je garde celle-là? Je sais pas. Je verrai bien. Bon allez, peut-être à demain, même probablement à demain si je live pas. De toute façon, je vous préviens sur Discord et dans l'onglet communauté. C'était Chilé, portez-vous bien, salut.